février, nous sommes lundi. On espère que vous êtes bien calés devant vos postes de télévision. Eh bien, nous le sommes pour vous présenter et proposer ce numéro du Grand Talk. Donc, on espère ravira vos différents cœurs. Merci à tous ceux qui sont présents depuis le début. Merci d'être fidèles. Merci à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Eh bien, vous avez bien fait de choisir la fréquence, Live TV, le Grand Talk, que nous émettons sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Ce soir, sur le plateau, je suis en compagnie de M. Élisée Boloube. Bonsoir, Élisée. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous bien, votre week-end? Super bien, un week-end merveilleux. Essentiellement constitué de prières, de recueillement. Vraiment, j'en ressors restauré. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Une restauration totale, spirituelle, divine. Et je tiens en tout cas à dire merci à, au Temple du Torrent de Vie, à Bingerville, où on a eu cette retraite spirituelle-là. Et merci aussi au pasteur Kwamina Marcel. Très bien, très bien, très bien. C'est un Élisée Boloube nouveau, restauré, que nous avons sur le plateau. J'aurais même fait un petit écart en disant « ressuscité ». Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Bien, très très bien. Votre week-end était? Ouais, c'était très bien. Je me suis beaucoup reposé parce que j'étais aussi malade, même si je ne l'ai pas dit. Oui, c'est vrai. Voilà, j'étais malade et je tiens à dire merci à ma charmante épouse qui a pris soin de moi durant 4 jours. En tout cas, bisous à toi chérie. Waouh, Daouda. Derrière cette ère de toutes ces envolées-là, j'ai toujours dit qu'il y a, il y a un vrai cœur d'artichaut. Bien sûr, bien sûr. Je pense que, après, on peut le témoigner. Ah bon, hein? Oui, on peut témoigner. Non, je confirme. Il y a un lien avec la maladie? Non. Non. Je ne sais pas, vous nous apprenez. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Super bien, bonsoir. Bien Brice, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Mon week-end, écoute, ça a été très mouvementé, je vais dire ça comme ça. D'accord, ok. C'était pas religieux, c'était pas en mode repos en tout cas. Et Daouda pourra témoigner. Non, je peux témoigner. Très, très bien, continuez. Bon, en tout cas, moi, me concernant, hein, le week-end, il était bien, il était reposant, mais j'en ai profité. Eh bien, on participait à une activité, donc à l'initiative du comité de lutte contre la vie chère, le CLVC. CNLVC. Le CNLVC, le comité national de lutte contre la vie chère. C'est ça. Eh bien, moi, ce qui a retenu mon attention à travers cette activité-là, c'était comme réponse, entre autres réponses, donc à la problématique de la vie chère, la question de la consommation, la production en consommation de produits de saison, de produits locaux de saison. Donc, la production saisonnière. Au-delà, je pense que quand tu parles des produits de saison, c'est qu'actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, on va bientôt entrer dans la période de soudure. Période de soudure, généralement, après la récolte, c'est qu'on mangeait la récolte passée, ça commence à finir. Donc, en gros, on était dans la période de bananes et autres, ça va commencer à manquer sur le terrain. Donc, il y aura une inflation de certains produits vivriers. Donc, du coup, il faut faire attention à cette période-là parce que c'est comme la Côte d'Ivoire dépend de la saison des pluies ou la saison sèche. Donc, quand ces périodes de mangue, comme le chantait Yodé et Siro, il faut pouvoir manger mangue. Ces périodes de goyave, il faut manger goyave. On parle d'inflation, on parle de vie chère. On a pris 2 pays en exemple qui sont le Bénin et le Togo qui ont une inflation assez basse, mais ça s'explique tout simplement parce que le Togo et le Bénin mangent leurs productions au niveau local. Or, quand tu vas à la Côte d'Ivoire, on importe trop de produits qui viennent d'ailleurs. Donc, il faut s'adapter pendant la période de soudure. Parce qu'en général, ce qu'on entend, c'est que je suis parti au marché aujourd'hui, banane est chère. On a dit non, ce n'est pas la période des bananes, donc banane est chère. Mais c'est manioc là qui était moins cher, donc après, c'est la tomate. Donc, je crois qu'on a l'occasion, on a la chance surtout de pouvoir basculer. Et la Côte d'Ivoire est un des pays riches de son vivrier. Donc, on a même cette possibilité-là d'avoir la diversité de produits. Non, je crois que ce que Daoud a dit hein, et que je soutiens, c'est la nécessité en tout cas d'adapter son alimentation à la saison. Parce qu'il y a des produits saisonniers. Il y a des, comme il a dit, faut qu'on adapte notre habitude alimentaire en fonction des saisons. Si on a une saison où on sent que cette denrée alimentaire, même si nous la prisons, mais semble être hors de prix parce que cette denrée manque, il faut peut-être s'orienter vers des denrées qui sont un peu plus accessibles. Donc ça, c'est un bon comportement. Dans la lutte contre la vie chère, je pense qu'il y a des aspects qui émanent du gouvernement, mais il y a des aspects aussi qui émanent du citoyen que nous sommes. Et parmi ces aspects-là, je pense que l'une des choses qu'on peut aisément faire, c'est de vraiment adapter notre habitude alimentaire en fonction des produits de saison. Oui, parce que j'ai mon oncle quand même qui mange foutou tous les soirs quand même. Non, mais tous les jours, systématiquement, foutou, banane. Et donc, on s'est dit à un moment donné, et justement, quand sa femme se plaignait du fait qu'il y a une période où la banane pouvait être plus chère, bah, ça donnait lieu donc quand même, tonton, tu peux manger autre chose que foutou. Non, mais après, si on est dans la prospective, je veux dire, on peut aussi acheter ces aliments-là et puis les conserver au congélateur. Ah non, je ne passe pas à la banane. La banane, tu peux la conserver au congélateur et puis pouvoir l'utiliser après. Il y a une technique.
Isabelle, il va falloir que tu nous expliques cela. Il y a une technique, il y a une technique. Oui, oui, quand tu viendras. Voilà, la maison. Je sais que tu n'es pas préparé. Vous l'avez dit, très, très bien. Bon, en tout cas, voilà, je crois que c'était cette initiative-là du ministère du Commerce et puis du Comité national de lutte contre la vie chère. Donc, je profite de l'occasion de faire un coucou à Dr. Bah. Voilà. Bon, les amis, on va évoquer une autre question. Celle-là, c'est encore, vous me direz, encore une unité illégale industrielle de conditionnement de bouteilles de gaz qui a été démantelée par la gendarmerie donc dans le quartier Gotham, c'est à proximité de la commune d'Abobo. J'ai même envie de dire encore, allez, je vous cite. Là, c'était le 15 avril, le samedi 8 avril, c'était dans la zone plateau de Cuy. Le mercredi 8 mars, c'était dans la commune de Cocody à Diorobité. Quelqu'un m'a dit, franchement, on a l'impression d'être assis sur une bonbonnière. C'est une expression que j'ai entendue. Oui, effectivement, je souris un peu, mais en réalité, ça ne doit pas faire sourire, ça doit vraiment interpeller, nous amener à prendre conscience. Parce que là, en l'espace de 2 mois, je pense, ça a fait pratiquement près de 8 unités industrielles, qui ont été démantelées par les forces de la gendarmerie, la plupart du temps sous dénonciation anonyme. C'est dit qu'il y a une situation réelle de fraude qui existe. Et je crois que les pouvoirs publics, c'est vrai, déjà font bien le travail, mais il faut l'accentuer. Parce que ce qu'on oublie très souvent, à cause du caractère véreux de certains individus, toute la population est exposée. Vous imaginez toutes ces unités-là situées dans tous ces quartiers. Et quand vous regardez, c'est des quartiers où habitent des populations. C'est des quartiers peuplés la plupart du temps. Vous imaginez les dégâts que pourrait occasionner l'explosion de ces bouteilles de gaz-là. Parce qu'en réalité, les dispositions sécuritaires ne sont pas les meilleures, ne sont pas prises dans ce sens-là. Il faut vraiment qu'arrive un moment quand même, on ait plus dit à nos concitoyens. C'est vrai, nous tous avons cette nécessité-là de pouvoir plus ou moins assurer notre lendemain, plus ou moins assurer le pain quotidien, mais pas au détriment de notre santé, pas au détriment de notre vie, pas au détriment de la sécurité de nos voisins et de nous-mêmes. Donc, arrivé un moment, il faut savoir quand même accepter, un tant soit peu, de préserver la vie des autres et de soi. Moi, je trouve que ça devient un peu trop. Et là, vraiment, c'est aussi un appel qu'on pourrait lancer à tous nos concitoyens. Si vous constatez ces unités, il faut les dénoncer. Parce qu'après, c'est nous qui en serons les premières victimes, si on ne les dénonce pas. Faut que c'est clair, à deux niveaux, parce que déjà au niveau des installations de ces industries, de ces unités industrielles, c'est dangereux. Mais quand les produits même sortent, quand on n'arrive même pas à les vendre, que ces produits-là sortent, qu'ils sont vendus, qui arrivent dans les ménages, dans les maisons, on est encore plus en danger. Non, effectivement, moi aujourd'hui, je pense qu'on en parlait avec Isabelle, je vois que les autorités compétentes sont en train de se saisir de l'affaire. Mais moi, je souhaiterais qu'ils ne s'arrêtent pas seulement qu'à Abidjan et dans le Grand Abidjan. Qu'ils aillent à Yamoussoukro, qu'ils aillent à Boaké, qu'ils aillent à Bounoua. Parce que là-bas, les taxis communaux roulent avec ce genre de produits. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça existe depuis très, 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 très longtemps. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ces bouteilles de gaz qui étaient dans les véhicules en train de se promener, qui explosaient à n'importe quel point de rue, finalement, sont en train de se déporter dans nos ménages. Et moi, aujourd'hui, je ne vous mentirai pas que tout ce qui était bouteilles, c'est pas qu'on appelle les petites bouteilles qu'on appelle fait tout. Mais voilà, je les ai dégagées de chez moi. Je n'en veux plus. Parce que finalement, c'est sur ces bouteilles-là que les gens utilisent pour transvaser le gaz dans une bouteille B12. Ça, c'était de façon traditionnelle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des personnes se lèvent, ils ont maintenant une unité industrielle. Mais voilà les images qu'on voit là. Des unités, ils ont des citernes et autres, le matériel pour pouvoir pomper ce gaz-là. Ils vont violer la bille jusqu'à ce que ce gaz-là va se retrouver dans nos ménages. Sincèrement, je tire mon chapeau à la gendarmerie et aux autorités compétentes qui sont en train de mener un véritable combat contre ces faussaires, surtout de gaz butane, mais aussi les faussaires au niveau de l'alcool frélaté. Vous avez parlé de l'alcool frélaté, il y a quelques jours, justement, je regardais encore des documents et je me suis rendu compte qu'il y avait même une unité industrielle qui fabriquait de faux médicaments. Mais bien sûr. C'est grave. Je crois qu'il y avait une unité de fabrication de faux médicaments même qui avait été démantelée ici à Abidjan. Exactement. Qui était détenue, je ne vais pas certainement stigmatiser, mais par des ressortissants étrangers qui étaient à la base de ce trafic-là. C'est des réalités, c'est des choses qui existent. Aujourd'hui, Dieu merci, on est tous de plus en plus en face d'une situation, celle-là, de ce que les pouvoirs publics essaient de se battre comme on peut. Mais comme je le dis, c'est aussi l'occasion d'interpeller vraiment nos concitoyens. C'est-à-dire que pour nous, une vie n'a pas de prix, il faut arriver à un moment quand même qu'on puisse accepter d'être dans les règles, quoi.
Non, au-delà de la sensibilisation hein, qu'Élysée vient de faire, moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait que l'État puisse arriver à avoir un réseau de distribution intégré de sorte à ce que chaque ménage, à l'instar de, par exemple, l'électricité avec la CIE, à l'instar de la SODECI avec de l'eau qu'on a à la maison, qu'on puisse avoir donc le gaz qui puisse arriver de façon intégrée, de façon safe, en fait, pour que chaque ménage aujourd'hui puisse consommer du gaz sans vraiment avoir la boule au ventre. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les ménages, il y a au moins une bouteille de gaz et c'est extrêmement dangereux. Et tu vois, je vais pour aller dans le même sens que toi, il serait pas mal en fait que on parle de l'État, mais il y a de grosses entreprises qui commercialisent ces produits-là. Ce serait bien qu'ils mettent des unités industrielles aujourd'hui dans les différentes communes, parce que Abidjan on a une urbanisation galopante. Donc finalement, il faut rendre la tâche facile aux gens. Quand tu vois ces gens qui vendent ces bouteilles B12, parce que moi, dernièrement, quand j'ai eu à déménager, mais je voulais du gaz. J'ai juste appelé, on m'a envoyé du gaz. Mais justement, c'est quand j'ai vu le reportage de « Y a problème » que je me suis débarrassé de ces petites bouteilles, finalement. Parce que je ne savais pas que les gens violaient la bille. Mais quand je l'ai su, je me suis débarrassé de ça. Mais aujourd'hui, il va falloir que les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur-là puissent aider à la livraison. Parce qu'il y a des stations où tu t'en vas, les gens ont des bouteilles jaunes ou bien des bouteilles bleues, quand tu t'en vas, comme eux ne le commercialisent pas, ils ne veulent pas le changer. Pourtant, c'est faussaire que tu viennes avec une bouteille verte, rouge, magenta ou n'importe quoi, lui, il change tout. Et mettant notre vie en danger. Mais je pense que c'est à partir de là qu'il faut quand même trouver ça suspect. Hein? Oui, mais le problème, c'est que tu dois préparer, tu dois manger, tout. Les gens, tu vois, c'est tout ça. Donc, il faut que... J'estime que les opérateurs économiques qui sont dans la légalité, les stations-service qui sont dans cette légalité-là, puissent aujourd'hui mettre en place une plateforme de sorte à ce que on puisse avoir, les ménages puissent avoir ce gaz-là, qui puisse se fournir de façon légale pour ne pas qu'en fait on aille vers des faussaires qui vont nous mettre dans une situation très, très, très compliquée et que des maisons explosent, que des gens meurent, des gens sont brûlés. Parce que quand la dernière fois, on a vu la famille qui a pratiquement brûlé, maman, enfant et tout le monde, ça fait pitié. C'est une brûlure, allez-y au grand brûlé, allez-y voir. Ça fait très mal. Bon, en plus, Didier Isabelle, hein, c'est peut-être une proposition d'Aouda à court moyen terme, peut-être à long terme. L'idée oui, d'avoir ça, donc un réseau de distribution de gaz intégré, comme ça, en Europe, c'est ça, intégré. Donc, comme à l'instar des pays développés, voilà, pour que tout le monde Moi, je crois que pour terminer là-dessus, hein, l'une des propositions aussi que je voudrais faire, peut-être qu'il serait bien aussi de voir au niveau de la direction des hydrocarbures qu'on puisse avoir des stickers, des identifiants qui puissent être quand même sur ces unités de distribution. Parce que souvent, on a aussi des revendeurs au quartier qui parfois sont des relais en fait de ces unités industrielles-là, qui n'ont forcément pas l'autorisation pour... Mais donc, moi, je ne suis pas totalement... Donc, on a quoi avec toi-même ? Il termine sa proposition. Non, il serait peut-être bien qu'avec l'accord, ou bien avec, l'accord de la direction des hydrocarbures, on puisse vraiment avoir... Je ne sais pas s'il y a un sticker ou bien quelque chose qui certification. Une certification, voilà, quelque chose qui fait un distributeur à quelque chose. De sorte que quand tu vois ça, tu sais que tu es chez un distributeur agréé, quelqu'un qui a effectivement la licence qu'il faut en bonne et due forme. C'est vrai que là aussi, on peut dire que ça peut être trafiqué. Il peut avoir un réseau parallèle. C'est ce que je dis, on peut dire que ça peut être trafiqué, mais en réalité, ça dit que au moins, je pense que le niveau de fraude à ce niveau va baisser, d'une manière ou d'une autre. On se rappelle, par exemple, les productions audiovisuelles, les stickers et tout ça à l'époque, quand on avait les CD. Mais quand on a commencé à mettre les stickers, arrivé à un moment, on ne dit pas que la piraterie est définitivement endiguée. Mais on s'est rendu compte que la piraterie a baissé d'un certain cran. Parce que quelque part, c'est une mesure qui a permis aussi de combattre cela. C'est ce après, que si vous mettez une étiquette bricossier, hein, qui distribue donc le gaz, et que moi je passe en tant que bricossier, que je vois que ce gars-là n'est pas sur mon réseau, donc ça sera plus facile. Mais moi, le problème, c'est que là où je me dis il y aura problème, c'est que prenons le cas de l'alcool frelaté aujourd'hui. Dans le cas de l'alcool frelaté, les gens te font des alcools de grande facture avec la bonne étiquette, avec même l'étiquette même du distributeur officiel. Mais comment tu vas savoir? Non, mais c'est pas partout. Voilà, c'est vraiment un point fixe qui serait donc beaucoup plus identifiable. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut lutter aussi contre la corruption.
Parce que la corruption, bah oui, ça va tout ça là. D'accord, ça va loin. En tout cas, je voulais encore dire, et on en parlait sur le plateau, on voulait encore saluer la collaboration, parce que dans la plupart des cas, c'est sur dénonciation anonyme, donc d'une collaboration de riverains, que ces enquêtes n'ont pu être menées par les fins limées de la gendarmerie et de la police pour démanteler ces réseaux-là. Donc voilà, si vous sentez quelque chose de bizarre, bah, appelez les personnes qu'il faut, elles vont mener les enquêtes. Si c'est clean, c'est clean. Si c'est pas clean, vous aurez sauvé des vies. Mais surtout, si vous avez une bouteille de gaz à la maison, n'utilisez pas votre téléphone portable à côté de la bouteille de gaz, n'ayez pas plus de 2 bouteilles de gaz dans la maison et surtout n'allumez pas de flammes, de cigarettes, etc. devant la bouteille. Parce qu'on commence à voir les systèmes d'allumage électrique. Électrique, là ? Électrique ? Non, je laisse une bouteille. C'est la même chose, hein, frère. Non, non, mais ça change de la... Bon, enfin, bref, vous avez compris. Nous recevons avec beaucoup de plaisir sur le plateau notre invité, donc pour le Grand Talk avant le JT, notre invité M. Yves Couillot, il est donc linguiste, interprète, président d'honneur de la Shakespeare Society, qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir sur le plateau du Grand Talk. Avec lui, on aura évoqué la place de l'anglais dans notre système de formation. Bonsoir M. Couillot, comment allez-vous? Hello, how are you, sir? Fine and you? Everything is good. Ok, ok. Je traduis ça pour les autres après. Non, t'inquiète. Don't worry. Don't worry. I speak English. Ok, Daouda. Each day, I try to improve my English. Ok. Qu'est-ce que c'est que la Shakespeare Society? Ben, c'est une société de lobbying, de communication. C'est plutôt une association, n'est-ce pas? Et nous l'avons mise en place simplement parce qu'on se demande, on se dit qu'au-delà du business model où chacun crée une entreprise de traduction, d'enseignement de l'anglais, il faut qu'au niveau associatif, des choses bougent, que les lignes bougent. De toute façon, dans tous les domaines, c'est comme ça que ça se passe. La place de l'anglais aujourd'hui, on a dit que c'est une langue commerciale, c'est une langue parlée. On s'est rendu compte que ce n'était pas la langue la plus parlée, malheureusement. Mais cette place-là aujourd'hui, quelle est-elle dans le dispositif? Déjà, les Nations Unies la célèbrent tous les 23 février, tous les 23 avril chaque année. On appelle ça aussi Shakespeare Day. Mais je veux dire, demander à n'importe quel demandeur d'emploi, aujourd'hui à Abidjan, il a sa réponse sur la place de l'anglais. C'est-à-dire qu'on franchit 3-4 étapes d'un entretien d'embauche, et puis au dernier entretien, malgré toutes les qualifications, on se retrouve mis de côté. Parce que no English. Ouais. Alors. Mais aujourd'hui, vous, dans la Shakespeare. Voilà, votre association Shakespeare, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour aider la jeunesse, puisque cette année a été décrétée année de la jeunesse, pour que ces jeunes-là puissent pratiquer l'anglais correctement? Nous passons des messages essentiellement et nous menons un certain nombre d'actions qui ne sont pas liées à l'argent. Parce que, par exemple, pour avoir des cours d'anglais de bon niveau, il faut payer. Par exemple, depuis un an, j'envoie à des milliers de personnes quelque chose qu'on appelle Cambridge Code. C'est gratuit. Il suffit d'avoir un smartphone. On le reçoit chaque matin pendant 2 minutes. Ça, c'est une action qui permet à celui qui n'a pas de l'argent de pouvoir au moins apprendre à prononcer l'anglais. Aujourd'hui, dans le système... Pardon, allez-y. Non, non, non. Ce que je veux dire, on travaille surtout dans les milieux estudiantins, dans les milieux des dames, des femmes qui sont dans la technologie, dans la science, tout ce qui est associatif. Par exemple, dans le milieu des journalistes, on a commencé une action aussi pour que vous puissiez un jour aller à la BBC, pourquoi pas, à CNN, why not? Mais on utilise tous les leviers associatifs pour que l'anglais soit disponible, accessible. Mais est-ce que vous avez un partenariat avec l'ambassade des États-Unis qui, au niveau de son ambassade et au niveau de American Corner, organise aussi des formations, des cours d'anglais à l'endroit de ces mêmes personnes-là? Je suis de ceux qui disent, qui pensent qu'on n'a pas besoin des ambassades. D'accord. Je veux dire, je sais qu'en règle générale, on veut aller dans telle ambassade, ce n'est pas nécessaire. Nous-mêmes, on sait que l'anglais est important. Sans eux, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous le dites, hein, oui. Monsieur Couillot, vous évoquiez tout à l'heure les personnes qui sont un peu les cibles de vos cours, mais ça va plus loin, ça va même chez les commerçants, parce qu'aujourd'hui, des personnes se retrouvent dans des pays étrangers, à pouvoir rechercher des marchés, à pouvoir rechercher des articles. Et en général, là-bas, c'est l'anglais qui est utilisé pour pouvoir converser. C'est vraiment une langue commerciale, finalement. L'anglais s'est rendu incontournable. Et voyez-vous, notre grand problème, c'est que nous associons l'anglais à l'école. Non. L'anglais n'est pas une matière, c'est une langue. Malheureusement, la plupart d'entre nous, notre premier contact avec l'anglais s'est fait à l'école. Donc, en sixième. Vous en sixième. Before English. Yes. Selon les générations, hein, mais... C'est ça. Maintenant, heureusement, hein, un peu plus tôt, maintenant, moi, ma fille est au CP1, on lui apprend déjà 2-3 petits mots en anglais.
Oui, oui, oui. Oui. Mais c'est tellement élémentaire. Est-ce que ça suffit véritablement? Mais sur ce point, j'ai envoyé quelques messages à quelques personnes en leur disant que, excusez-moi d'employer l'expression, mais c'est une vaste escroquerie. On transforme nos enfants en perroquets. Du CP1 au CM2, quand on demande à un enfant arrivé en CM2 ce qu'il sait, « I am fine, thank you. I am fine, thank you. » Pas plus que ça. Mais parce que, vous voyez, ça fait bien de dire autour de soi que son enfant fait anglais. Comme ça fait bien de dire autour de soi que son enfant fait informatique. Mais en termes d'efficacité, point d'interrogation. Mais vous parliez tout à l'heure du premier contact que certains, c'est-à-dire nous par exemple, nous avons eu avec l'anglais, et c'était en sixième. Si ce contact-là se fait de façon beaucoup plus précoce, je crois que c'est tant mieux. Ce n'est pas la précocité qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est d'amener l'anglais à être quelque chose de non scolaire. Vous voyez, il y a une différence entre apprendre l'anglais et l'étudier. La plupart des gens ont appris l'anglais, mais très peu. La plupart des gens ont étudié l'anglais, mais très peu l'ont appris. J'en veux pour exemple ma propre personne pour dire que j'ai étudié l'anglais jusqu'en terminale A, j'ai fait un bac A. Et aujourd'hui, à la différence de mon fils qui a 5 ans, qui vit aux États-Unis, mais il parle beaucoup mieux l'anglais, mais 20 fois mieux que moi. Parce que lui, il n'a pas l'anglais scolaire, il a l'anglais d'usage. L'anglais est impoli. Il ne respecte pas nos divisions. Vous voyez, on dit anglais de sixième, anglais de troisième, anglais de terminale. Ça n'existe pas. L'anglais, quand quelqu'un le prend au sérieux, dès ce qu'on appelle la sixième, il est capable d'avoir le niveau de ce qu'on appelle la terminale. Parce que l'anglais se moque de ce genre de frontières. Mais la question que je vous pose... Après, j'ai lisé quand même, qui essaie depuis deux minutes. Vous dites que l'anglais ne doit pas être scolaire. Mais quand on sait que nous sommes dans un système francophone où même si tu apprends l'anglais deux minutes, après, tu vas te retrouver en train de parler français partout, toute la journée. Finalement, comment est-ce que vous voulez qu'on apprenne l'anglais ou bien l'anglais doit prendre la place du français de façon définitive, générale en fait? Je ne dis pas que... Justement, est-ce que c'était une question de prendre la place avec... Non, je pose la question, il va falloir que... Non, c'est choisir une voie de liberté. Je veux dire, nous sommes dans une ville Abidjan où des personnes qui ont la même qualification, prenons par exemple l'exemple des assistantes administratives, bien payées dans le gouvernement ou dans le privé, c'est 500, 600 000 quand elles sont bien payées. Au même niveau de qualification, dans une organisation internationale, la même personne touche deux fois, trois fois plus. C'est une injustice qui continue, qui prospère, mais on ne peut rien. Parce que c'est comme ça que le monde est construit. Il faut surtout expliquer pourquoi vous faites ce lien avec les institutions internationales. C'est parce que ces personnes parlent anglais, qu'elles sont embauchées ou en tout cas recrutées dans les organisations internationales. C'est ce lien-là que j'aimerais que vous... Mais parce que les institutions internationales, malgré les indications officielles, se moquent un peu de la langue officielle des pays dans lesquels elles sont. C'est ça la réalité. Pour avoir travaillé aux Nations Unies, je sais ce que c'est. Officiellement, il y a 6 langues. Quand on est en Côte d'Ivoire, officiellement, il y en a 2. Mais en réalité, c'est l'anglais. Et puis, comme c'est de vous qu'il s'agit en privé et autres, on vous dit, monsieur, mettez-vous à l'anglais, sinon... On vous envoie 2000 en anglais, si vous n'arrivez pas à les décortiquer, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes... Élisée. D'accord, monsieur. Qui, depuis deux minutes, essaie d'avoir la parole. Non, pas de souci. Monsieur Kyo, comme il l'a dit, hein, je pense que vous aussi, vous êtes d'accord avec... C'est-à-dire qu'on a appris l'anglais peut-être de façon scolaire, vous avez expliqué que c'est un peu... C'est pas ce qu'il faut. Moi, je voudrais juste savoir, c'est quoi la méthode de la Shakespeare Society pour qu'effectivement, comme vous le dites, l'anglais soit d'usage dans les habitudes, dans les mœurs des citoyens? C'est quoi la méthode? Ce n'est pas une méthode de la Shakespeare Society, dont je suis le président d'honneur. Non, c'est la méthode naturelle. Le vrai problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'anglais a été abordé comme une matière. Notre premier contact, pour la plupart d'entre nous, avec l'anglais, c'est les yeux et la main pour écrire. Mais il n'y a aucune langue au monde qui s'apprend avec les yeux et la main. Les langues s'apprennent avec les oreilles. Ensuite, on les parle. Je dis en plaisantant que le meilleur labo de langue, c'est le marché Gouraud. Là-bas, sans tablette, sans cahier, sans rien de tout ce que nous avons l'habitude d'avoir, les femmes, en 2 mois, 3 mois, parlent 1, 2, 3 langues. C'est ça. Sauf que nous ne voulons pas appeler leur langue des langues. On appelle ça des patois, des dialectes. Mais au plan linguistique, c'est les mêmes principes qui permettent d'apprendre le Gouraud. Si on les applique à l'anglais, on va très vite et très bien. Très bien. Alors, le 23, vous évoquez la date hein, du 23 avril. Qu'est-ce qui s'est produit? Et à partir de là, à quoi devra-t-on s'attendre? Alors, disons que depuis 70 ans, les Nations Unies célèbrent une langue ou une autre. Et depuis 70 ans, la langue anglaise est célébrée. C'est une habitude onusienne.
Mais c'est seulement l'an passé que nous, au travers de la Shakespeare Society, on en a fait une affaire nationale, parce qu'on se rend bien compte que c'est une affaire publique, j'ai envie de dire une affaire de santé publique, et il faut faire quelque chose pour les gens en Côte d'Ivoire pour que l'anglais devienne accessible. Donc, la fête existait déjà, elle va être célébrée le 23 avril dimanche, mais pour des raisons pratiques, nous l'avons ramenée au 20 avril ici, à Abidjan. Ça sera quoi ? Alors, ce sera une série de conférences, de panels, d'ateliers. Donnez par exemple l'occasion aux gens de comprendre ces acronymes. Vous voyez, dès que vous voulez immigrer au Canada, on vous parle de IELTS, TOEFL, TOEIC, qu'est-ce que je fais, GMAT, qu'est-ce que c'est ? Des acronymes qui deviennent des choses de notre environnement. Expliquer ce que ça veut dire. Notre vie est devenue une vie remplie de tests. Pardonnez-moi, monsieur Couillot, je vais vous arrêter 15 secondes, mais vous-même, vous évoquiez la nécessité de promouvoir cette langue-là, mais quand vous vous réunissez dans un endroit, parce que moi, je m'attendais à voir des actions éclatées dans les marchés, pourquoi pas, où on allait permettre aux gens de découvrir pour certains l'anglais, là, vous êtes resté quand même en vase clos, quasiment. C'est-à-dire que nous ne faisons que commencer. OK. Le rêve, c'est d'en faire un ensemble de manifestations éclatées sur tout le pays. En réalité, la rencontre du 20 avril au Palm Club est une rencontre qui va lancer une campagne de communication qui s'appelle 2023, année de l'anglais. C'est donc dans cette série de manifestations qu'il y aura des concours de meilleurs profs, des concours de meilleurs élèves, des concours de tout genre et des prix qui seront attribués. Mais ça, on a de mai à décembre pour en parler davantage. Et on vous sera ravis de vous recevoir sur notre plateau. Oh, thank you so much. You're welcome. J'essaie d'avoir l'accent comme ça. Et tout ça. Non, mais tout est dans l'accent. Tout thank est dans l'accent. You very much. Voyez-vous, la bonne prononciation, c'est comme le parfum. Hein. Vous savez comment les êtres humains réagissent en bien ou en mal selon ce qu'ils sentent? C'est incroyable. Et c'est le même effet que la bonne prononciation produit sur nous. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui passent à côté de certaines opportunités parce que tout simplement, ils ne parlent pas anglais. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on peut être bilingue via, par exemple, la Shakespeare Society? Si je dis on doit être bilingue, ça va sembler excessif. Et pourtant, chacun sait comment s'y prendre pour avoir son next job. Next, N-E-X-T, je veux dire, pas X-E-X. Pour avoir son prochain boulot, quand une ou deux fois on a échoué à cause de l'anglais, je veux dire, on a compris. Je veux dire, les multinationales qui viennent ici ne sont pas en train de dire que leur personnel va apprendre le français. Ils n'ont pas cette logique. Ils sont là pour 2-3 ans. Ils vous disent à vous, apprenez l'anglais. Si vous ne voulez pas, well. Après, ça va être bizarre d'avoir des chefs d'État, des ministres qui se rendent dans d'autres pays. Et bon, le nôtre, effectivement, il parle bien anglais, heureusement. Mais ce n'est pas toujours le cas pour certains ministres qui sont obligés d'avoir des traducteurs. Et ça peut être compliqué après. Donc, tout le monde a besoin de s'y mettre à l'anglais. Monsieur Couillot, merci d'avoir été sur notre plateau. Mon cher Daouda, vous me disiez, ça s'appelle la... La Shakespeare Society. Ah, vous y êtes allé. Shakespeare Society. It's good. It's wonderful. Yeah. All right. Dans un instant, eh bien, on va évoquer Élisée Bolougouet avec nous sur le plateau. Voilà. Et Daouda également présent. Toujours. Toujours. Mais faites bien d'être là, monsieur Daouda Koulibaly. Nous serons en compagnie de monsieur Ouattara Catalognan. Il est directeur du Service national des jeunes. Tout à l'heure, on le recevra sur notre plateau. Mais avant, les amis, vendredi dernier, les opérateurs de téléphonie ont rencontré le Conseil de régulation et la Direction générale de l'RTCI. Eh bien, au sortir de cette rencontre, eh bien, les opérateurs de téléphonie, Move, MTN, Orange, eh bien, se sont donné un délai maximum de 2 semaines pour revenir aux anciens prix. Commentaire, messieurs, madame. Que dire, revenir aux anciens prix, mais dans un délai quand même de 3 à 2 semaines, c'est long. Donc on recevait la semaine dernière déjà le député Assalé Timoko qui disait mais qui va payer la facture? Parce que jusque-là, on nous fait payer en fait des tarifs qui ne sont pas réglementés. Voilà, donc on se pose la question. Moi, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui se sont plaints donc des tarifs en fait exorbitants qu'ils payent. D'autres, comme il y a la portabilité maintenant, veulent essayer de changer de réseau, aller sur le réseau Move parce que, bien entendu, Orange et MTN n'ont pas encore appliqué les tarifs en vigueur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des boycotts actifs, etc. Donc bon,
C'est à voir. Moi, pour le moment, je suis toujours sur mon réseau Orange, mais je me tâte vraiment à faire de la portabilité pour aller chez Move. Très bien. Au moins, c'est dit, parce que je n'ai pas envie de payer plus cher. Que... Non, en fait, l'idée, moi, je reste toujours constant dans ma démarche. Et moi, c'est vrai que d'aucuns disent, je l'ai dit ici, la TCI et les opérateurs, c'est une responsabilité partagée parce qu'ils sont dans un jeu de poker menteur, selon moi. Mais je reste convaincu que les opérateurs ne sont pas vraiment des anges, en fait, parce que eux, malgré tout le bénéfice qu'ils vont faire, qu'ils font depuis des années en Côte d'Ivoire, j'avoue que nous dit aujourd'hui, il nous faut 2 semaines. Parce qu'il faut le dire les choses clairement. Lorsqu'ils ont eu la discussion avec le ministre de la Communication et autres, et le gouvernement, automatiquement, le lendemain, Move est revenu à l'ancien prix. Mais il se trouve que c'est les MTN et Orange qui ne veulent pas bouger d'un iota. Ils disent, on va attendre 2 semaines, 3 semaines. Après, avant-hier, ils ont fait un communiqué pour dire, bon, on a une rencontre le vendredi 14 avec la RTCI, on va revenir à ses anciens prix. Mais comme tu as posé la question, véritablement, qui va payer la facture? Mais moi, ma question n'est pas là-bas. C'est vrai que les gens sont dans le boycott, mais moi, j'estime que je n'irai pas dans le sens du boycott. Voilà, je n'ai pas le choix, je vais toujours payer. Qu'on appelle ça mes connexions au niveau de chez Orange, parce que, qu'on le veuille ou non, pour moi, j'estime que c'est la meilleure connexion. Voilà. Bon, alors, moi j'ai un point, je me dis, OK, la RTCI, l'autorité de régulation, le conseil de régulation, la direction générale de la RTCI rencontrent les opérateurs, ils leur disent, bah, écoutez, nous, on a besoin de 2 semaines pour pouvoir revenir à nos anciens prix. Je pense qu'ils ont dû leur poser la question, pourquoi 2 semaines? Donc, d'après ce que les MTN Orange disent que lorsque le conseil de régulation de l'ARTCI leur a fait injonction de, qu'on appelle ça, d'appliquer les prix le 6 avril, ils ont du coup changé toute leur syntaxe et autres et tout. Donc, il y a tout un process qui a été mis en place. Donc, du coup, il faut revenir à l'ancienne syntaxe. Donc, c'est beaucoup de travail à faire, tout et tout. Donc, ils disent 2 semaines. Non, mais j'estime que... Comment ça se fait que Move, par exemple, arrive à le faire dans Isabelle, un temps parti et que Orange et MTN ne le font pas? Justement, c'est ce que je viens de dire. Factuel, il y a peut-être un peu de mauvaise foi dedans. Oui, tu peux dire ça, mais je vois, on ne va pas préjuger de ce que les entreprises font comme travail en back-office. Comme je l'ai dit, Move est revenu automatiquement. Mais MTN et Orange ne sont pas venus. J'ai donné mon point sur la question. J'estime qu'ils sont dans le faux, mais il faut leur accorder au moins le bénéfice du doute. Voilà. Je pense que la question qui devrait se poser dans ce cas précis, ce n'est pas forcément le délai qu'ils demandent, de 2 semaines, de 3 semaines, des mois. Moi, oui, je me suis dit, vous avez besoin de 2 semaines, pardon, Élisée. Oui. Vous allez peut-être, je vais être d'accord avec toi, c'est peut-être pourquoi je... Vas-y. OK. Techniquement, c'est peut-être... Hein, peut-être que certains ont tout de suite pris de l'avance pour pouvoir programmer des choses, donc il faut reprogrammer, déprogrammer, ainsi de suite. Ce n'est pas grave. Mais à partir du moment où, pendant 2 semaines, là, les gens utilisent les prix qui ne sont pas homologués, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on nous annonce, par exemple, que ces 2 semaines-là, vous aurez, par exemple, des connexions gratuites pour pouvoir compenser, je ne sais pas, je peux ne pas douter des 2 semaines, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir... Oui, Brice, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Allez, je vous les redonne, mon cher. Voilà, parce que, exactement, c'est peut-être ça ma préoccupation. Toujours est-il qu'il y a un préjudice qui est causé. Qui est-ce qui paye le préjudice? Parce que... Ou comment on paye? Avant d'arriver à comment on paye, il faut déjà qu'on définisse qui paye. Parce qu'il paye maintenant, on va voir par rapport à son pouvoir d'achat, comment il peut payer. S'il y a mais préjudice. Qui paye le préjudice? C'est ça la chose la plus importante dans un premier temps. Alors, on définit qui paye le préjudice, qui paye le préjudice, comment on le paye? Parce que nous, en tant que citoyens, ceux que nous, on regarde en réalité, qui sont censés être nos protecteurs, c'est le pouvoir public, c'est le gouvernement. Il te dit qu'il a donné injonction aux opérateurs de changer dès le 7 avril que les choses reviennent à la normale. On se rend compte que les opérateurs te disent qu'ils ont 2 semaines pour ramener ça à la normale. Mais pendant ces 2 semaines, le consommateur lui paye au prix qui n'est pas reconnu ou du moins qui n'est plus d'actualité selon les termes du gouvernement. Donc pendant ces 2 semaines, il y a un préjudice qui est causé. Qui est-ce qui paye ce préjudice? Pour ça aussi, je pense qu'une chose est d'accord. Le citoyen, il n'a pas de choix. On lui dit dans 2 semaines, on va revenir au prix. Il n'y a pas de problème. Il est obligé de se soumettre à ça. Mais après, derrière lui... Qui paye le préjudice que cela lui cause? Je pense que c'est une chose bien de dire qu'on a 2 semaines à faire et tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas que les opérateurs s'arrêtent à ça. Mais moi, on a 2 semaines à faire pour nous revenir à la normale.
il faut que les opérateurs et puis les pouvoirs publics aussi nous situent sur les deux chemins, le préjudice qui est causé, qu'est-ce qu'ils payent. Là où je... 30 secondes pour terminer. Désolé, mais en fait, ce que je voulais dire, dès l'instant que les opérateurs et l'ATCI se sont assis pour discuter ensemble et qu'ils ont fait un communiqué à trois pour dire on revient à l'ancien prix dans deux semaines, laissons-les d'abord atteindre les deux semaines. Comme il y a un adage qui dit que demain n'a jamais tort. C'est le roi qui a toujours tort. Non, non, non. Je viens, s'il te plaît. Rectificatif. Non, il va finir avec son problème. Je vous donne la parole. Demain n'a jamais tort. C'est le roi qui a toujours tort. Pour dire que demain va arriver, quand on va arriver à l'échéance de deux semaines, ce qu'ils vont faire pour rembourser, on va leur poser la question. Parce que la question doit se poser dès maintenant, en fait, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore posé la question en leur sein. Qui te dit qu'ils n'ont pas posé cette question? Non, mais parce qu'il n'y a pas eu de communication autour de ça. Voilà, je pense qu'il faut... Est-ce que c'est le lieu? Il faut qu'on fasse les choses, pour moi, dans les règles de l'art. Mm-hmm. On est vraiment dans un pays organisé. Dès l'instant, parce que ce que tu es en train de dire, il y a une information qui n'est pas juste là à l'intérieur. Mm-hmm. Les pouvoirs publics ne se sont pas assis, n'ont pas produit un communiqué en commun avec les sociétés de téléphone mobile privé dans deux semaines. Le communiqué qui dit que les uns et les autres ont deux semaines et autres, ce n'est pas un communiqué signé des pouvoirs publics. Non. C'est un communiqué signé des sociétés de téléphonie mobile. Exactement. Voilà, c'est pas les pouvoirs. Moi, ce que je reconnais, le pouvoir public là m'a dit que depuis le 7, il a demandé aux sociétés de téléphonie mobile de revenir à ce prix normal. Quand les sociétés de téléphonie mobile me sortent un communiqué, nous, on a deux semaines de fête, mais ça ne m'engage pas. Ça ne m'intéresse nullement. Là où tu te trompes, j'ai une minute là pour terminer sur le sujet. Laisser finir au moins quand même. Mais vous n'avez pas fini encore. Non, pas fini. Bon, ok, vas-y. Là où tu te trompes, justement, c'est que après la rencontre, la date dont tu parles, ils ont eu une autre rencontre le vendredi. Le vendredi 14. Ils ont eu une autre rencontre. Et c'est après cette rencontre qu'ils ont fait un communiqué conjoint pour dire que dans deux semaines, on revient. La dernière fois qu'Assélie Tomoko était là, on parlait de trois semaines pour Orange et de deux semaines pour MTN. Mais quand tu dis communiqué conjoint, là, c'est signé par conjoint, qui? C'est signé par MTN, par Move, par... comment on appelle ça? Orange. Mais est-ce qu'on appelle conjoint? Même mon conjoint n'était pas ça, si vous appelez conjoint. Mais trois personnes appellent joint. Ils pensaient que tu parlais du gouvernement et des trois opérateurs. Alors que le gouvernement, c'est juste le roi signé par les opérateurs, c'est pas comme ça signé par les pouvoirs publics. Demain n'a jamais tort, c'est le roi qui a toujours tort. Mais Élisée, vous avez bien raison. Conjoint, ça ne prend pas en compte. Voilà, mais... Allez, on va recevoir à présent notre invité, M. Ouattara Catalognan, donc je rappelle, directeur du service national des jeunes, qui nous rejoint sur le plateau du Grand Talk. Rassurez-vous, on aura l'occasion de revenir sur le sujet, parce qu'il y a une vraie question qui se pose sur la question, sur le point, c'est qui paye le préjudice pendant deux semaines? Qui paye? Et on aura certainement la réponse à cette question dans les prochains jours. Dans 14 jours. Dans 14 jours, vous avez compté? Depuis vendredi? Non, c'est plus que 14. En tout cas, dans deux semaines. Voilà. Monsieur Ouattara, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur, je vais bien, et vous? Merci, ça va très très bien. Vous êtes avec nous sur le plateau, vous êtes directeur du Service national des jeunes. Qu'est-ce que c'est le Service national des jeunes? Merci. Je vous en prie. Avant tout propos, permettez-moi, au nom de monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, remercier les responsables de l'AFTV pour cette nouvelle opportunité qu'il nous offre de pouvoir nous exprimer sur le Service national des jeunes. On vous en prie. Alors, cela dit, le Service national des jeunes, c'est un outil de service civique qui a pour objet le renforcement du comportement civique et citoyen de la jeunesse en vue de sa participation pleine et entière au développement économique et social et culturel de la Côte d'Ivoire. D'accord. De façon plus digeste. Qu'est-ce que c'est? Les jeunes font Comment j'ai quoi? Fait la sélection de ces jeunes-là, par exemple? D'accord. De façon plus digeste, il faut dire que cet outil de service civique-là se déploie à travers trois composantes. Très bien. Il y a, pour la première composante, une formation civique et citoyenne. Très bien. Qui se fait de façon... c'est une formation de proximité. Nous allons dans les établissements scolaires. Nous menons des entretiens de proximité avec les élèves. C'est des entretiens qui durent une à deux heures de temps sur tout ce qui est comportement civique et citoyen à adopter au sein des établissements et au-delà dans toute la société. Très bien. Alors, la seconde composante, c'est le campus citoyen. Le campus citoyen, il s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont un niveau minimum de la classe de 3e. Et ce campus-là, il réunit chaque année pendant les vacances scolaires,
au minimum 500 jeunes dans un endroit pour une formation civique et citoyenne. Et la troisième composante qui est d'actualité, c'est le parcours citoyen. Cette composante-là s'adresse aux plus jeunes, des jeunes âgés de 14 à 17 ans et sélectionnés dans les différents établissements scolaires. La question de Daouda, c'était comment sont sélectionnés ces jeunes? Ces jeunes-là, justement. Oui. Alors, parce que j'ai vu qu'il y a une école pratiquement qui a été inaugurée par le Premier ministre à Boaké, justement. Oui. Comment on sélectionne ces jeunes? Alors, ces jeunes sont sélectionnés en partenariat avec les directions régionales de l'éducation nationale. Ce sont ces directions régionales-là qui, en lien avec les chefs des différents établissements, font la présélection des jeunes. Et il nous revient maintenant à la direction du Service national des jeunes de faire la sélection définitive afin que les jeunes puissent prendre part au parcours. Mais quels sont les critères, en fait, de ces jeunes-là? Quels sont les critères de sélection? Alors, les critères qui permettent de sélectionner ces jeunes-là, c'est véritablement l'âge. La tranche de 14 à 17 ans. Il faut être en bonne santé parce que nous pratiquons des activités sportives. Et il faut avoir en priorité une ferme note en conduite. C'est un indicateur important pour nous qui nous permet de juger du niveau de comportement de l'élève. Il faut que l'élève... Sur ce point, j'en veux une précision. Oui. Une faible note en conduite, oui. Ça veut dire que cet élève-là, il a perdu des points du point de vue à cause de son comportement qui n'était pas forcément... Turbulent. Voilà. Turbulent. Tout à fait. Voilà. On ne va pas chercher la faible note. On est obligé, on est déçu de ces notes. Tout à fait. Okay. Voilà, c'est important pour nous parce que nous travaillons sur le renforcement du comportement civique et citoyen. Et l'élève qui a une faible note en conduite, on se dit que c'est certainement parce qu'il a eu des écarts de comportement, des écarts de conduite. Il a dû certainement tirer une ou deux heures, ou bien plusieurs heures. Il a dû certainement manquer de respect à ses encadreurs, à ses enseignants, etc. etc. Et ce sont ceux-là qui nous intéressent en priorité. Voilà. Moi, j'ai une préoccupation. Est-ce que cette... Parce que là, tout à l'heure, une question de précision. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé, évoqué un certain nombre de composantes et j'ai cru entendre que ça prend en compte effectivement des gens du système scolaire, mais également en dehors. Oui. Parce que là, tout à l'heure, comme vous avez expliqué, oui. on se rend compte que c'est uniquement pour ceux qui sont dans le système éducatif. Est-ce que cette composante s'adresse uniquement à ces personnes ou elle prend en compte aussi ceux-là qui sont hors du système scolaire classique, qu'on peut souvent appeler des enfants en conflit avec la loi? Je vous remercie. Alors, le parcours citoyen, il s'adresse à ceux qui sont exclusivement dans le système scolaire. OK. Voilà. Il faut donc que l'élève puisse appartenir effectivement ou bien fréquenter un établissement d'enseignement scolaire. Okay. Alors, les autres... Les enfants dits en conflit avec la loi sont traités par d'autres dispositifs. Ok. Voilà. Quel est le contenu en fait des formations que vous délivrez à ces jeunes? Alors, pour ce qui concerne le contenu, nous avons un encadrement à la discipline, ce qui est très important pour nos jeunes. Nous avons la formation civique et citoyenne. Nous avons des activités ludiques, éducatives et sportives. Et tout ça avec le partenariat que nous avons avec la Fédération ivoirienne du scoutisme. Ces activités-là sont déployées de façon pratique au quotidien pour le bien-être comportemental de nos jeunes. Mais comment vous mesurez l'impact, en fait, de vos actions? Je vous remercie. L'impact, il est mesuré d'abord sur le centre, mais il est mesuré également après. Voilà, parce que nous avons nos partenaires du système éducatif. Ce sont ces partenaires-là qui nous diront si effectivement l'action que nous menons ou que nous avons menée dans nos centres a porté, est-ce que l'élève qui était turbulent, l'élève qui était partisan des congés anticipés, etc., etc., est-ce que cet élève-là, au retour dans son établissement, il y a eu un changement? Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, il y a combien de types de ce centre-là en Côte d'Ivoire et dans les différentes régions? Alors, cela m'amène à parler des centres de services civiques. Voilà, les centres de services civiques, le premier que nous connaissons, c'est le centre de services civiques de Bembresso. Il y a, en plus de ce centre-là, deux centres, dont un qui vient d'être nouvellement inauguré. À Boaké. Mmh. Donc, le premier centre de Boaké, c'est le centre de services civiques que nous nommons maintenant le centre de Boaké 1. Mmh. Nous avons le deuxième centre qui vient d'être inauguré, le centre de Boaké 2. Nous avons un autre centre de service civique à Bundiali, dans une localité qu'on appelle Gengereni. Et un autre centre de service civique à Sassandra, dans la localité de Guédikbou.
Est-ce que ces différents centres-là vont contribuer? Parce qu'on voit que le gouvernement parle de l'école de la seconde chance. Est-ce que ça rentre dans cette dynamique-là aussi? Oui. Vous savez que l'école de la seconde chance ne concerne pas exclusivement le service civique. Il y a, c'est une question qui concerne divers ministères. C'est ça. Mais une grande part de cette école-là, une grande partie de cette école de la seconde chance-là se retrouve au sein du ministère de la promotion de la jeunesse, particulièrement dans le programme de service civique. Et pour parler du parcours citoyen, il faut dire que depuis le 10 avril, nous avons reçu sur 3 centres, le centre de Bembresso, nous avons 250 élèves qui sont en formation. Sur le centre de Boaké 1, 150 élèves. Le centre de Sassandra à Guédipo, 150 élèves. Ce qui nous fait un total de 550 élèves que nous traitons dans le cadre de ce parcours-là. Est-ce que l'emploi jeune aujourd'hui, quand ces enfants-là sortent, vous leur accordez un financement pour qu'ils puissent s'insérer dans le tissu, pour ceux qui ne partaient pas totalement à l'école, parce qu'il faut redresser les gens? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont encore mineurs, 14-17 ans, ils sont encore mineurs, on ne parle pas d'emploi, et ceux-là, ils sont encore à l'école. Alors, plus tard, quand ils seront majeurs, il y a d'autres dispositifs du ministère qui adressent cette problématique de l'emploi. Vous me direz rapidement hein, comment ça fonctionne, parce que dans ma tête, j'ai cru en comprendre qu'il y a des élèves qui sont dans les établissements, on les a identifiés, on les sort de leurs établissements pour les envoyer dans ces centres. Pendant les vacances. Pendant les congés et vacances. Très bien. Effectivement, pendant les congés et les vacances scolaires. Très bien. Voilà. Quand on sait qu'il y a plus de 70% de la population qui est jeune, là, vous parlez par exemple de 500 jeunes qui sont en train d'être traités. Par rapport au ratio, vous ne trouvez pas que c'est un peu faible? Oui, on ne dira pas que c'est un peu faible. Le gouvernement a pleinement pris conscience de cette importance de la jeunesse au sein de la population ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place le programme jeunesse du gouvernement qui part de la période 2023 jusqu'en 2025. Et le service national des jeunes est une traduction concrète de ce programme jeunesse du gouvernement. Et l'axe qui nous concerne, c'est l'axe 2 qui concerne le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Monsieur Ouattara Catolognan, merci d'avoir été sur notre plateau. Ben, en tout cas, on en sait un peu plus hein, sur le service national des jeunes. On vous souhaitera plein succès. On aura certainement l'occasion de vous retrouver sur ce plateau-là. Pour qu'on fasse un peu le point, hein, nous sommes bientôt en vacances, on verra le point. Puis on aura d'autres questions. Hein. Est-ce que des parents qui eux-mêmes notent le comportement de leurs enfants pourront s'adresser à vous pour pouvoir les prendre en charge ces enfants? Eh bien, on le saura dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. On vous souhaite une bonne... Vous voulez rajouter quelque chose, un dernier mot? Oui. Je le sentais quand même. Oui, oui, un dernier mot. Dit que le service national des jeunes, c'est un outil qui est au service de la jeunesse. Et nous invitons les parents, tous les acteurs qui sont concernés, les jeunes, à s'approprier cet instrument-là pour le bien-être éducatif de la jeunesse axé sur le service civique. Je vous remercie. Ah ben voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup. On était très heureux d'être en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Grand Talk. Et puis on dira quoi? Bonne nuit de destin. Voilà, à tous nos frères et sœurs de la communauté musulmane. En tout cas, à toutes ces personnes qui prennent ce moment-là, qu'Allah, dans sa grande bonté, puisse recevoir vos prières. Merci beaucoup. À demain.